viva, viva. Mais ce qui fait l'actualité ce mardi, Sébastien Germain, enfin l'OGC Nice, enfin vendu officiellement, ça y est ? Oui, c'est le communiqué que tous les supporters attendaient, qui est tombé à 19h30 hier soir sur le site officiel du club. L'annonce d'un accord pour que le groupe Ineos devienne le nouveau propriétaire de l'OGC Nice. We made that decision pretty quickly when we sort of had those initial discussions. We understood the nature of the club, we did our researches. I think, you know, certainly by early March, it was difficult to the end. But I think that, to be honest, that's a story for another day, to be honest. It's a story that has a lot of chapters. Thank you very much for your patience through very difficult times. And hopefully we can have a lot of fun with this project. They've been through a difficult time. It's been a long period of uncertainty, and I wanted to show appreciation that we understand that was a difficult period for the staff, but now Ineos has acquired OGC Nice, and we can look to the future and not look back. Aujourd'hui, le boycott de la Populaire est levé au premier anneau. Donc on vend les abonnements. Il y a pas mal de monde, les gens attendent depuis plusieurs mois. Venez monsieur. Et on est content que les abonnés reviennent. Et merci beaucoup. Vous avez respecté le boycott. Ah ouais, boycott complet. Solidarité. À fond. Issa Nissa. Comment vous l'avez vécu cet été ? Bah là dans l'attente, hein. On attend, on ne sait pas trop comment l'année va se dérouler, les recrues, comment ça va se découpiller et tout. Enfin on attend toujours en fait. Il n'y a pas encore de soulagement là ? Non, on est encore un peu comme ça. Là il faut y aller, là il faut passer la deuxième là maintenant pour les transferts. Il faut quoi pour renforcer l'équipe ? Il faudrait un numéro 9, du style Casper Dolberg. Ounas aussi, c'est pas mal. C'est des noms, des profils, des montants de transfert qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ça fait un peu... Non, on n'a pas eu l'habitude, maintenant on espère juste qu'il va pas faire comme les Chinois. Hein, des promesses et rien derrière. Maintenant, bon, apparemment il y a eu des rencontres et ça a l'air pas mal. The objectives for us are over a 3 to 5 year football to establish OGC Nice as European competition playing football club. And that's a big challenge. We met the fans. The primary reason we met the fans was, you know, what are your expectations of an owner? Can we meet the expectations of the fans? You know, fans are fantastic, but they're organic. You know, people have views. Would we be well received? Would our project be well received? Because I think the important thing about our project is not about a checkbook. Our project is about sensible investment for value, investment in youth, investment in academy, all the way through. So we wanted a discussion along those lines, and it was a very good discussion. Il a fallu réviser un petit peu son anglais, mais écoute, ça s'est bien passé. On se dit que voilà, ça y est, c'est enfin fait, enfin derrière nous, on va pouvoir parler football et parler de l'OGC Nice et de cette belle saison qui démarre. On doit être focalisé sur notre performance à nous. Comment nous, on veut jouer pour mettre
l'adversaire, peu importe l'adversaire, en difficulté. L'ambiance, ça va être extraordinaire. On va être excité et on a besoin de ça parce que ça fait partie aussi du foot. Bonsoir et bienvenue sur France Bleu Azur. Nice reçoit Marseille, c'est l'affiche en retard de cette troisième journée de Ligue 1 et c'est une superbe soirée football qui vous attend à l'Allianz Riviera. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, pourtant on est. C'est la même région, tout, mais il y a un antagonisme de, qui a été là de tout temps entre les Marseillais et nous. Voilà, on n'a jamais pu s'aimer. Voilà, comme je te disais, les Monégasques, ils nous laissent totalement indifférents, mais les Marseillais, on les aime pas. Apparemment un nouveau président River au mois d'avril et il nous avait dit, vous savez que des gens comme monsieur, comme Sir Ratcliffe s'intéressent à notre club, c'est pas une chance, c'est un miracle. N'aie pas peur de sortir. Si tu sors, tu dois savoir que le gamin, il va rentrer à l'intérieur. Si c'est Ghana qui sort, c'est toi qui vas rester à l'intérieur. Gardez ça en tête. Issan, Ghana, on ne se fait pas éliminer, hein. Dernier match de cette troisième journée de Ligue 1. Et quel match, le premier de l'ère Ratcliffe. Là, oui. Ça va reprendre ? Je sais pas. Parce qu'ils veulent pas que tu cries certaines choses. Voilà. Donc, le match est arrêté, il va reprendre. Et si on continue de crier ce qu'ils ne veulent pas, le match sera annulé, définitivement. Kounassar, le centre en retrait, ça revient sur Benedetto, la frappe ! Allez, oui. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score de Dario Benedetto, ici, sur ce centre en retrait de Kounassar. La reprise de Dario Benedetto, elle est contrée, malheureusement. On va garder espoir, hein. On va voir. 2 à 1 comme les deux autres matchs. J'y crois et j'ai envie que vous y croyez parce que sur la première période, les gars, on a créé des situations dangereuses. On joue contre une bonne équipe. On le savait avant. On n'est pas surpris de la performance de Marseille. Mais nous, on est en train de leur poser d'énormes problèmes.
Mais pour marquer ce but, il faut y croire encore plus. Ça veut dire que nous, quand on est de derrière avec Dante, Christophe, Patrick et Andy, on est bien les gars. Andy et Patrick, à chaque fois qu'on a le ballon, on cherche Ghana et Issan, on est bien. Mais où est-ce que nous, on doit améliorer, c'est de mettre un peu plus de rythme. Un peu plus de rythme avec Dante, avec Christophe, avec Patrick et avec Andy. Oh, on va faire une grosse deuxième mi-temps là, on y va. Baisse pas la tête, aucun, allez. C'est de pousser un cri très très fort. L'égalisation de Willan Cyprien sur pénalty après 66 minutes de jeu. Le Gym qui recolle le score. C'est terminé ici à l'Allianz Riviera, la victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1. C'est pas mérité, dommage hein. Match difficile, match très compliqué. Je pense que cette défaite est sévère par rapport à ce qu'on a montré sur ce match-là. Au niveau du jeu, au niveau du contenu, on a montré des choses positives. Sincèrement, j'en voulais pas aux joueurs parce que je pouvais pas leur reprocher grand-chose sur ce match-là. Revenez dans une maison où vous connaissez la majeure partie des personnes. Je pense que la première des choses à faire, c'est de leur dire bonjour, les rencontrer, leur expliquer, entre guillemets, voilà, le projet et ce qu'on a envie de faire. Ça devient affectif quand vous passez. Moi, j'ai passé 7 ans et demi quand même dans ce club. Mais j'aurais très bien vécu le fait qu'il y ait Ineos, par exemple, sans nous. Ça ne m'aurait absolument pas dérangé. On a été convaincus que c'était vraiment une opportunité exceptionnel pour notre club parce qu'on a des gens qui sont extrêmement structurés, qui aiment le foot, qui ne viennent pas dans le foot pour gagner de l'argent, ils ne viennent pas dépenser leur fortune. Il fallait de la ténacité, de la volonté d'y arriver et puis voilà, pas de bagarre. Je ne pense pas que j'ai sorti le mot bagarre, mais bon, si je l'ai sorti, bon, ouais, il a fallu un peu à la bagarre. Ouais. Franchement, on a des investisseurs qui nous ont suivis dans leur stratégie, qui ont été très tenaces. Et qui ont démontré, je pense, l'envie qu'ils avaient de réaliser l'acquisition de ce club, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait lâché en cours de route. No, we didn't. Funnily enough, it's a very good question that. And I think if we told you the whole story, you'd think, well, you were mad not to give up. Je pense qu'à un certain moment, les supporters ont eu besoin de savoir si on leur disait vraiment la vérité sur les choses. Et moi, je leur ai dit,
la vérité et avec les éléments qui l'ont permis de le vérifier. C'est pour ça que les supporters après se sont dit, mais en fin de compte, le bon chemin, il est là. Je pense. Mais je leur ai rien demandé. Ils sont libres de leurs actes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont considéré que c'était le projet Radcliffe était à suivre et à soutenir. Quand je suis allé voir monsieur le maire pour lui parler de ce projet, il a eu le courage, parce qu'il faut du courage. Et je sais qu'autour de lui, on lui a dit « Oh, mais tu sais, bon, attention, c'est pas une certitude que… Bon, » Et moi, je lui ai dit « Je suis pas sûr d'y arriver, mais il faut tenter le coup. » Et non seulement il m'a suivi, mais il m'a appuyé et il a été, comme les supporters, comme beaucoup de gens, un maillon. Je dis toujours, cette opération s'est réussie avec une chaîne. Et chaque maillon de la chaîne a son importance. Et monsieur le maire a été un maillon important de la chaîne. Ça valait vraiment la peine d'apporter sa petite pierre à l'édifice, la mienne, pour faire comprendre à ceux qui étaient alors les propriétaires du club que là où ils n'apportaient pas de garantie suffisante sur leur volonté de porter Nice le plus haut, le plus loin possible, je serais très attentif à ce qu'on ne déprécie pas notre équipe, on ne déprécie pas notre stade, et que je serais prêt à dire des choses importantes si je devais à un moment ou un autre être celui qui pouvait faire un tout petit peu plus basculer les choses dans le bon sens. He was very supportive of what we wanted to do. C'est agréable quand même quand on est maire de cette cité, qu'on y réalise des choses, qu'on essaie de l'embellir, de la rendre plus attractive, de voir qu'elle attire, qu'elle a une certaine magie pour faire venir un investisseur de cette dimension avec cette si grande réputation. Partout, dans toute la ville, il y avait une immense attente que je n'avais jamais entendue de ma vie publique et même plus anciennement encore. On a senti que pendant cet été 2019, il s'est vraiment passé quelque chose. Vraiment à très bien connaître les joueurs et je l'ai toujours dit, au niveau de leur implication, au niveau de leur sérieux, au niveau de leur attitude, je travaille avec un groupe qui est quand même extraordinaire. Malgré tout ce qui s'est passé autour du club, les joueurs sont restés toujours concentrés sur le jeu, avec beaucoup d'implication pour essayer de s'améliorer. Et c'est ce qui fait qu'on a eu des résultats positifs. On y va ? Il arrive de l'Ajax, c'est un joueur qui est capable de jouer de haut but, c'est un joueur sur qui on peut s'appuyer, c'est un joueur de surface, c'est quelqu'un qui est capable de faire la différence sur un geste technique, c'est quelqu'un qui arrive à très bien jouer avec ses partenaires. Ça va être un joueur très important pour nous. Mainly probably the project that we're starting here is something that I really want to be a part of, and that was probably one of the biggest reasons. Adam, pareil, qui arrive d'un grand club, c'est quelqu'un qui est capable de marquer entre 10 et 15 buts par saison. Il a vraiment une très belle frappe, il arrive à délivrer le dernier ballon, il arrive à rendre ses partenaires encore meilleurs. Après, on a Alexis, qui est un joueur percutant, qui est un joueur qui est capable de très bien jouer entre les lignes, qui est capable aussi de jouer sur le côté collé à la ligne. Stanley, qui arrive de Paris, très bon joueur dans le 1 contre 1, vu que notre jeu est
basé sur la possession du ballon, c'est quelqu'un aussi qui va nous faire ressortir le ballon beaucoup plus proprement de derrière. Hicham, qui est un joueur très dynamique au milieu de terrain, qui est capable de faire ce box-to-box, comme on dit en Angleterre. Enfin, nous, aujourd'hui, la différence entre avant et maintenant, c'est que nous, on prend des jeunes joueurs, mais on veut les garder longtemps. Ouais. Parce qu'on veut que le club, il soit là, en haut. Après, la carrière, la vie fait que on ne bloque pas des joueurs, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que c'est important, malgré tout, dans une carrière d'un joueur, de donner la meilleure image possible du joueur. Parce que si le joueur a une bonne image, le club a une bonne image, et c'est pour la suite de ta carrière, tout est intéressant. Ouais. Un beau sourire. Okay. Ici, s'il vous plaît. Rennes-Nice, quatrième journée de Ligue 1. Coup d'envoi dans un quart d'heure au Razon Park. Les Niçois sous pression au Razon Park avec un nouveau attention corner. Attention, le but. Et voilà, non. Ouais, c'est rentré. Je pense que c'est rentré. À mon avis, c'est but. Ouais, c'est but. Le premier but de la partie, il est pour les Rennais. Pour l'instant, on n'est pas bien. Offensivement, on n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions. Et on paye une expérience derrière pour l'instant. Donc, c'est pas facile. Si on repart le match nul, on va pas être déçu non plus, quoi. Sachant qu'on perdait 1-0 quand même. Allez, Cyprien. Que nous aussi on peut jouer le haut de tableau. Mais si l'état d'esprit il est comme il a été aujourd'hui, on peut réussir beaucoup de choses. On a tous voulu le ballon, personne ne s'est caché. Et à la fin, le résultat est largement mérité. Bravo. Les supporters rêvent et c'est très bien, on rêve tous. Et je pense que le rêve est quelque chose de vraiment positif. Mais ce qu'il faut, c'est se donner du temps à mettre les choses en place. Notre objectif, c'est d'essayer de finir le plus haut possible. Ce sera une aventure collective. C'est ensemble qu'on réussira. C'est pas juste parce qu'on a un actionnaire qui a un peu de moyens. Great challenges, great opportunity, very exciting for everybody, all of us. Tout d'un coup, je crois que les Niçois se sont mis à y croire. Qu'ils y croient
plus que jamais aujourd'hui, et je leur dis qu'ils ont raison d'y croire.